Bonjour et bienvenue sur Télégoël. Le beau temps arrive et avec le déconfinement, les activités reprennent sur notre territoire. Ne manquez pas vos actualités. Nous sommes le vendredi 28 mai. Voici le sommaire de votre édition. Les jeunes du collège Jean Zédelens ont présenté leur projet Course en cours. Cancer du col de l'utérus, la prévention reste primordiale. Un chanteur à votre porte, ça s'est passé à Los Angeles. Partez ce week-end à la découverte de vos terres avec Eden 62 dans notre coup de loupe. Mais tout de suite, la lutte contre les dépôts sauvages sur la Dolence et Vin continue et ça coûte très cher. Ils sont partout, au pied des bornes de collecte, sur les trottoirs ou dans les champs. Les dépôts sauvages se présentent sous plusieurs formes. Le premier type de dépôt sauvage, il est lié au non-respect des règles de présentation, parce qu'effectivement, il y a un service public pour l'évacuation de vos déchets, mais pour que ce service public puisse se faire, il y a des règles à respecter par tout un chacun. Il y a ensuite, effectivement, les véritables dépôts sauvages qu'on va retrouver disséminés un petit peu partout sur le territoire. Tous les jours, nous avons un équipage qui tourne le matin et un équipage l'après-midi. Nous mettons également des bennes à disposition des communes, et au final, ce sont plus de 1000 tonnes de déchets liés aux dépôts sauvages que nous collectons tous les ans. Autre problème lié à ces dépôts, certains déchets ne peuvent pas être collectés par les équipes de ramassage. On va ramasser qu'est-ce qu'on peut, mais tout ce qui est pneus, tout ça, le placo on va le ramasser, mais les pneus non, pièces de voiture non. Il y aurait du fibro, pareil, le fibro on n'a pas le droit, les gravats pareil on n'a pas le droit. Du coup ça va rester là ou... Non, c'est un autre camion qui va revenir à les chercher. Là on va le signaler et c'est un autre camion qui va venir les chercher. Un travail qui demande beaucoup de temps et de moyens, de quoi faire grimper la facture. 900 euros en moyenne pour une tonne de déchets issus des dépôts sauvages, contre 150 euros pour les déchets triés. L'agglomération de Lens-les-Vins a décidé de mettre les bouchées doubles pour lutter contre ces dépôts. On va travailler, nous, sur un premier outil qui est un outil réellement de diagnostic. Il va falloir absolument qu'on fasse une analyse qui quantifie les dépôts sauvages, qui essaye aussi de savoir où ils s'installent, pourquoi ils s'installent là et de qui ils proviennent. Ensuite, on va aussi avoir un gros travail au niveau de la prévention, comment on peut prévenir, du coup, ces dépôts sauvages. Et un dernier travail autour de la sanction qui existe déjà. La loi prévoit 35 euros pour un simple jet de bouteille et jusqu'à 1500 euros avec confiscation du véhicule pour un dépôt plus important. S'il y a des sanctions, c'est que des solutions existent, il faut juste les respecter. Il existe déjà aujourd'hui 4 déchetteries sur le territoire, 3 déchetteries fixes et une déchetterie itinérante. 2 nouvelles déchetteries sont en construction, une troisième, les travaux vont démarrer pour une troisième. Donc effectivement, on a les moyens de répondre à ça. Dans l'attente, il y a toujours une possibilité effectivement de présenter ces déchets lors de la collecte des encombrants qui a lieu une fois par trimestre ou sur rendez-vous pour certaines communes. Au-delà de l'enjeu économique, il y a un véritable enjeu écologique. Sans doute le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants demain, quelle planète on laisse, quel site on laisse pour nos enfants. Et ça, c'est dans l'air du temps et c'est aujourd'hui qu'il faut agir et pas demain. Passionné d'automobile et de challenge, c'est au collège Jean Zédelens qu'une équipe de jeunes élèves participe à un concours national, Course en cours. Course en cours, c'est un projet que l'on peut choisir dès le début de la quatrième, quand on reçoit la liste des parcours d'excellence. C'est un projet sur toute l'année. Ça consiste à créer une voiture ainsi qu'un stand pour participer à une course en fin d'année. Un projet orienté cette année autour du passé du bassin minier et du Louvre-Lens. Afin de contextualiser la voiture lors du concours, l'équipe a réalisé une maquette de la galerie du temps du Louvre-Lens, plus vraie que nature. Ça représente la galerie du temps, donc comme vous voyez avec les vitres ainsi que le sol qu'on a peint en gris. Donc la surface, elle est en OBS, qui a été faite par le lycée Béal. Sur les bouts de bois, on a mis des QR codes, donc quand on scanne avec une application particulière, ça nous donne des tableaux. Et c'était pour un peu... En ces temps où le Louvre est fermé, de nous faire un peu une petite visite avec des tableaux sur les QR codes. Un beau clin d'œil pour le Louvre-Lens, une expérience riche pour ces jeunes élèves qui leur permettra peut-être de remporter un prix. En France, 3000 femmes sont touchées chaque année par le cancer du col de l'utérus. Un cancer pourtant évitable par la vaccination ou bien le dépistage.
C'est un cancer, ça il faut le savoir, qui est induit par un virus, le papillomavirus, HPV. C'est 100% induit par ce virus. En fait, c'est un virus qui se transmet par contact sexuel, contact intime, parce que pas nécessairement pénétration, je précise que c'est important. Et en général, on s'en débarrasse tout seul. En fait, on ne se rend même pas compte qu'on est infecté par le virus. Mais dans 10% des cas, le virus persiste, l'infection persiste, et ça finit par créer des lésions, et des lésions précancéreuses, puis un cancer. Mais on a du temps pour agir, parce qu'en fait, entre le moment de l'infection et le moment du cancer, il y a 10 à 15 ans qui s'écoule. Donc on a largement le temps d'agir et c'est là où se situe l'intérêt du dépistage. Dans les Hauts-de-France, seuls 53% des femmes se font dépister. Un examen médical parfois redouté chez les jeunes femmes. La consultation se fait comme une consultation classique. Les patientes arrivent. On fait un interrogatoire, on reprend les facteurs de risque et on les invite du coup à se déshabiller, à s'installer sur la table d'examen. Pour le frottis en lui-même, du coup, elles doivent mettre un pied dans chaque étrier. L'examen dure environ 5 minutes finalement. Il n'est pas douloureux et si les patientes doivent nous prévenir, on s'arrête, on se réinstalle. Il se fait au moyen d'un spéculum dont il existe plusieurs tailles et d'une brosse qui est souple, du coup qui est non douloureuse, qu'on insère au niveau du spéculum au niveau du vagin et on vient faire le prélèvement au niveau du col de l'utérus. En tournant 2-3 fois, on le retire, on se retire, voilà. L'examen, finalement, il est très appréhendé par les patientes, mais finalement, il dure 5-10 minutes lors d'une consultation classique et il n'est pas ou peu douloureux et voilà. Pour prévenir du cancer du col de l'utérus, il existe donc la vaccination entre 11 et 14 ans et le dépistage chez les femmes de 25 à 65 ans. Le papillomavirus est également responsable d'autres cancers, comme celui de la gorge. We are the champions, my friends. La chanson à l'honneur à l'occasion des 37e Goéliades, le festival culturel de Los Angeles. La compagnie On Off a interprété ce lundi 24 mai dans la commune des titres commandés gratuitement par les habitants auprès de ce stand à côté de la mairie. Ça c'est une initiative, on connaissait déjà la compagnie qui était de On Off qui était déjà venue il y a quelques années. On s'est dit que c'était la bonne année pour le faire également puisque ça permet d'aller à domicile mais sans rentrer chez les gens et donc de mettre un petit peu de joie, de bonne humeur dans la commune et de faire passer des petits messages d'amitié surtout auprès des personnes qui sont un peu isolées. Pour livrer ces musiques, les artistes ont enfourché leur mobylette et sont partis en direction du domicile des Lossois à des heures précises. Midi et demi, Ricky arrive dans ce quartier. Ricky Léonard, le cousin d'Herbert, va livrer la balade des gens heureux au numéro 51. Là. Après quelques minutes d'attente, on lui ouvre enfin et Ricky chante le titre en entier à cet homme surpris. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade. La balade des gens heureux. Un peu plus loin. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Fabienne interprète un classique, l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Une opération musicale qui a ravi les Lossois, choisis par leurs proches. C'est très bien. C'est et ça nous met du baume au cœur. Ouais, c'est bien ça. Moi, on a rien, je suis tout vieux d'homme, hein, vos chants. Ben écoutez, vous chantez très bien. ouais, franchement, ouais. Le festival des Goéliades se poursuit jusqu'au 5 juin avec par exemple ce samedi 29 mai des ateliers vélo organisés sur la place de la République. Of the world. Merci. Merci beaucoup. Yeah.
les terris. Ils font tellement partie de notre paysage qu'on ne les remarque même plus. Héritage d'un passé minier, ils sont aujourd'hui, pour certains, le poumon vert de nos communes. Lancé en 2020 par Eden 62 et le département, un projet de valorisation de 5 d'entre eux donne un second souffle à nos montagnes noires. Alors c'est un projet qui a été initié dans la mesure où tous ces terris ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour améliorer l'accessibilité des visiteurs. Et le fait que ce soit classé, ça dégage une ligne au niveau des crédits européens, ce qui nous a permis en fait de faire près d'un an de travaux sur 5 sites différents. Donc les différents sites, c'est bien sûr ici à Oigny. On a aussi le terri du téléphérique et le bois des Pinois. Un peu plus loin vers Lens, le marais de Fouquières. Et encore plus loin, à Liévin, le terri de Pinchonval. Et sur Haïcourt, le terri du Pays à part, le double terri. Parking, création de belvédères, refonte complète de la signalétique, création de sentiers d'interprétation. Des travaux qui ont 3 objectifs. L'accueil du public, la découverte de l'aspect historique des sites et la protection de la biodiversité. Et au-delà des aménagements qui ont été réalisés sur ces 5 terris, dans le cadre du projet FEDERTERRI, lors de vos balades, vous pouvez trouver une flore et une faune tout à fait d'ailleurs exceptionnelles sur ces milieux. Ce sont des milieux un peu différents des autres. Terris, ce sont des milieux chauds, secs, où vont se développer une faune et une flore tout à fait particulières. Par exemple, je peux vous citer le lézard des murailles au détour d'un chemin que vous pouvez rencontrer. Vous avez aussi de nombreux oiseaux qui viennent y nicher, qui viennent s'y nourrir également. Vous avez aussi en termes d'amphibiens le crapaud calamite, la grenouille rousse. On a aussi les mammifères comme le chevreuil, l'écureuil. Donc vous voyez tout un panel de faune et de fleurs. Alors en parlant de la flore, on a aussi des plantes qui sont protégées comme des orchidées. Et oui, on a des orchidées sur les terris, ça peut paraître paradoxal. Donc toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les rencontrer lors d'une balade en famille ou avec des amis. Vous allez pouvoir effectivement vous régaler de ce spectacle, de ce poumon vert, on va dire, en plein bassin minier. Pourquoi on a choisi ces 5 sites-là ? Parce que c'est quand même des sites symboliques. C'est des sites qui sont déjà assez connus en région et qui ont chacune leur particularité. Si on prend par exemple le terri de Fouquières, on a les fumerolles. C'est un des seuls terris du département qui se consume encore. Donc pour nous, c'était important de montrer ça aux habitants. À chaque fois, on a les terris à part. Ce sont des terris jumeaux, comme les terris de Los Angoels. Donc c'est vrai que Los Angoels, c'est très connu. À Ycourt, ça l'est moins, et c'était l'occasion de les mettre en valeur. Une mise en valeur qui vaut bien la célébration des 5 sites. Donc le week-end prochain, vendredi pour les scolaires locaux et samedi pour l'ensemble des habitants, on organise une découverte des terris. Donc sur les 5 terris, les guides nature d'Eden 62 sont mobilisés à la rencontre des habitants. En arrivant, ils vont avoir un petit questionnaire, un petit rallye nature à faire. Et ils vont pouvoir découvrir les terris en répondant à des questions, parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'être actif, ça amplifie encore la découverte. Et donc on peut venir en famille avec ses enfants, ensemble faire ce rallye. On peut en faire plusieurs, parce que c'est de 10h à 18h sur les 5 terris. Donc vous pouvez visiter plusieurs terris dans la journée et à chaque fois remplir ce petit document ludique pour venir à la découverte des terris et des travaux qu'on a faits. En apprendre plus sur l'aspect historique et naturel de nos terris, c'est joindre l'utile à l'agréable. Et si en prime la météo est clémente, ce sera une bouffée d'oxygène en cette période de crise sanitaire.